Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà partis dans Blood Bowl contre, oula, 4 journaliers, les Bretoniens. Ils ont pris quelques mandales, je pense. Il leur manque un blitzer, deux bloqueurs. Waouh! Il leur manque deux blitzers en fait. Il lui manque deux blitzers, deux bloqueurs, il a quand même 4 lances. Après, avec 102 porte-monnaie, il va pouvoir s'en sortir assez facilement. Donc on va voir si sur quoi il part. Avec notre fidèle équipe d'Union Elfique. Il a pas de tacleur a priori, j'en ai pas vu, ça m'a pas fait tiquer en tout cas. Si, ah, son seul tacleur est sorti. Ok, il a un coup vicieux ici. Ah, 1, 2, 3, 4. Il a quand même 4 3 quarts. Donc quelques compétences là. Frappe précise, joueur vicieux. Il y a de la garde, donc il aura la supériorité assez facilement. Donc là, il va avoir une flopée de 3 quarts. Bon, on va voir comment ça se passe, hein. Il a pris un pot de vin. Bon, il va sûrement jouer sur le piétinement. Heureusement que j'ai pas de joueur star. Je répartis quand même la charge sur tous mes receveurs. Sachant que mon passeur n'est pas mon joueur le plus important. Juste espérer qu'on n'ait pas de problème du genre de problèmes météo pour gêner les passes parce que je joue énormément là-dessus. Et on va voir comment ça se passe tout ça. On a essuyé une défaite au dernier coup, j'ai un peu gridé certains jets de dés, j'ai fait quelques erreurs. Je viens de faire le commentaire donc je les ai encore en tête. Normalement on devrait avoir l'avantage sur le terrain, normalement. Alors Mister Goblins, ok. On est en défense. Je pense qu'il va essayer de me rincer. Il a bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Hop, comme d'habitude, on va faire une défense assez paquet. Tac tac tac, ouais, on n'a pas de remplaçant. On va mettre les blitzers sur les flancs, juste pour venir couvrir un petit peu les hop. Pour venir couvrir nos receveurs. Là, là, là. Et là. Ok, on valide le placement. 4 lances contre 3. Il a eu le fame. God damn. Bon, avec ses gardes, il va pouvoir facilement avoir l'avantage sur le bash. En plus, il y a une stabilité ici. Ok. J'espère que les joueurs solitaires vont le forcer à faire des turnovers. Faudra faire attention à cette de mobilité sur les blitzers, ça court très très vite ces salauds. J'en ai un petit peu plus sur les receveurs et sur mes blitzers. En fait, ces blitzers sont comme les miens. Mes receveurs courent un poil plus vite, mais il faut pas se faire surprendre. Bon, j'ai joué bretonien il y a peu de temps, donc j'ai encore en tête 2-3 trucs. Défense ici, ok. Bloc à 2D. Il devrait inverser les deux. Bloc à 2D. Il se libère celui-là. Bloc à 2D. Bloc à 2D. Sachant qu'il aura un autre bloc supplémentaire dans ce sens. Ça peut être jouable. Il va essayer de piétiner direct. Et a priori, ça va partir sur mon blitzer. Juste espérer qu'il ne me le fasse pas tomber au sol. Limite, il faudrait qu'il inverse les deux là. Les ressources sont à droite, on sait où est-ce qu'il va partir. Pourquoi il... Bon, ok, il met une garde là. Suette. Suette, suette, suette. Ok. Gros signe d'avant. Plus j'arriverai à en retenir ici, mieux ça sera. Hop, c'est parti. La petite chandelle, ça fait toujours plaisir. Et en fait, il a qu'un seul... Je croyais qu'il en avait deux chevaliers, j'ai halluciné. Ouais, j'ai halluciné. Ok, il a qu'un seul chevalier pour deux bloqueurs. Bon, j'espère qu'il va pas trop me rincer, que je vais pouvoir prendre un peu l'ascendant physique. C'est du 7 d'armure comme moi, il a rien d'exceptionnel, je peux jouer la balle beaucoup plus facilement que lui. Et il a les bonnes compétences là, le blodge, la dextérité. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon, ça tombe pas. Si ça tombe, la lutte. Est-ce qu'il va tenter le piétinement? On va voir. S'il se fait virer, ça peut être bien.
Hop, c'est parti. Il me repousse en arrière. Donc a priori, il va pas forcément me piétiner. Je comprends pas trop son plan de jeu, mais ok, soit. L'avantage, c'est que j'ai un passage sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux l'atteindre. C'est atteignable. Surtout si... Surtout si rien du tout, c'est atteignable tout simplement. Et B, j'ai eu de la chance pour l'instant. Bon là, je vais avoir le droit au deuxième bloc, il va sûrement tomber. C'est notre solitaire en plus. Bon, s'il tombe, c'est pas trop gênant. Et il va tomber. Mais il va être obligé de se retrouver avec une personne au sol. Parfait pour la lutte. Il faudrait que j'arrive à venir blitzer son porteur de balle avec mon tacle. Ok, il tente l'agression. Pour qu'il se fasse virer. On l'espère, on croise les doigts. Il peut gagner le match sur ce genre d'action. Hein. Parfait. L'armure n'est même pas passée. Et j'ai un passage là en direct. Il va falloir qu'il mette une cage autour. S'il met une cage autour, je vais pouvoir l'enfermer assez facilement et mettre une zone de tacle sur, sur son blitzer. C'est le but. Ah, là il va bien jouer s'il enferme ici. Je relève là, je blitz ici. Ah, il va peut-être chercher à faire la cage directe. Il ne peut pas se mettre en sécurité, hein. Il a personne pour fermer la cage. Et moi j'ai un gros passage là. Les mecs au sol, ils ont pas de zone de tacle. Hein. Et la garde est au sol. Ok, parfait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Ça va être chaud là. Ok. C'est pas trop gênant. Ok, ça va être gênant par contre. Faudrait qu'il loupe le solitaire. Non, il réussit, dommage. Ok. Passer par en dessous, hein, c'est pas trop grave. S'il marque vite, je peux marquer vite, c'est pas trop gênant. Si j'arrive à lui faire quelques pertes, c'est d'autant mieux. Ok. Je coupe les supports ici. On aura un bloc et un dé sur le porteur de balle. Je sais pas si ça vaut le coup, plutôt j'immobilise ses effectifs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il peut pas les marquer en un tour. Parfait. Dans ce cas là on va jouer plutôt safe. Je vais venir me mettre par ici avec mon tacleur. Juste histoire de retenir un peu tout ça. Avec mes receveurs. Ah mais j'ai... venir jusque là facilement. Voilà, je peux venir jusque là facilement. Parfait. Faudrait que j'ai un, voilà, j'ai un autre 3 quarts. Bon, on va être obligé de le faire avec un receveur dans ce cas-là. On a coupé tous les supports, là on peut venir blitzer facilement. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un receveur ici pour bâcher lui. Facilement. On va venir frapper avec un esquiveur, comme ça si jamais il faut ressortir de la zone de tac, on pourra le faire aussi facilement. Donc ce 3 quarts va venir ici. On va commencer par les blocs à 2D. Ok, c'est juste repoussé. Parfait. J'aurais pas dû le déplacer celui-là. Tac tac. Dans ce sens-là, ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Le petit crâne, bien sûr, sur le premier jet de dé, c'est normal. Et malheureusement pour moi, c'est un échec, c'est lui qui va me mettre au sol. J'aurais dû préparer le terrain un peu plus avec les autres. L'avantage ici, c'est qu'ils vont être obligés d'être immobilisés. Là, le bloc à 2D, ok. Le cadavre ici est plutôt bien, ça permet
S'il veut venir blitzer, faut qu'il me dégage celui-là, qu'il passe derrière, qu'il blitz dans ce sens-là et qu'il me le mette dehors. Ça fait quelques jets de dés, j'espère qu'il va en louper. Là, il a un bloc à 2 dés. Il se libérera 3, 4 personnes. S'il veut optimiser, faut qu'il bloque dans ce sens-là. Puis dans ce sens-là, en relevant celui-là, éventuellement. Je suis un peu déçu là de mon échec. Ok, parfait. Est-ce qu'il va relancer ça? Il a 4 relances, il peut se le permettre. Ok, il se libère ses 4 paysans. Il va pas pouvoir faire grand chose. En plus j'ai de l'esquive ici, donc sortir des zones de tacle va pas être bien compliqué. Faut juste espérer que sur les... je lui ai offert quelques bâches là. J'espère juste que sur les bâches ici ça va pas être trop rude. On va aller vers le bas. Il peut rester immobile comme ça. J'espère que l'armure va pas passer. Double 1, parfait. On va faire qu'il fasse son double 1 sur autre chose. Mais on va pas se plaindre hein. Si c'est pour avoir une mort, ça vaut pas le coup. L'avantage ici c'est qu'on a une défense aérée et que lui il peut pas venir le bloquer. Donc quoi qu'il arrive, il va l'avoir dans l'os. Par contre mon blitzer va se faire piétiner. J'aurai juste un support ici. Ok, a priori il va pas forcément jouer le touchdown. De toute façon il peut pas. Quoi qu'il recule, voilà c'est ça, il va reculer d'une case, c'est très bien. Il y a même plus, c'est très très bien. Malheureusement pour moi ça touche. Ok parfait, 6. Et c'est parti pour l'agression, 58% de chance. Et la deuxième. Joueur vicieux qui a tiqué, la petite sonnette, heureusement pour lui, c'est bon. On va juste venir retenir ce joueur là avec notre joueur solitaire, c'est très très bien. C'est un peu chaud. Réfléchissons intensément, autrement ce qu'on peut essayer de faire, c'est de frapper tout simplement. Hop là, on a un bloc à 2 dés ici. On va refuser la confrontation physique. On fera le blitz avec notre tacleur. On le repousse juste. Ok, soit. Très bien. On va venir mettre une autre personne en défense par ici. Qu'il puisse pas passer trop facilement non plus. On va garnir le centre du terrain. Là on va faire un joli cube. On va juste infiltrer deux personnes derrière pour le forcer à faire une défense en 360 autour de lui. Et on arrivera peut-être à trouver un petit push-push intéressant au bout d'un moment. Hop là. On va venir se mettre là. On continue à l'embêter. On a complètement dégarni le centre du terrain. Je le sais. Hop. Si on le fait tomber, on le met au centre. Si on le fait pas tomber, on le met vers le haut. On le fait pas tomber. C'est très bien. Et on fait une fin de tour. Au moins c'est bien paqué tout ça. J'en mets un ici, push, push, push. J'aurai du mal à le sortir. Je peux le sortir là, si jamais la situation reste telle quelle. Je sais pas qu'il fasse un quadruple loupé ou quelque chose dans ce moment-là. Je vais pas lui laisser de piétinement trop facile. Ok, il marque. De toute façon il va être obligé de marquer un moment ou un autre s'il veut avancer. Et sur des blocs à 1D. Il a du set d'armure hein, si j'arrive à trouver quelques blocs qui fonctionnent. Pour l'instant je crois pas en avoir fait tomber un seul. C'est un peu dommage quand même. Ok, il vient mettre la garde, il aura un blitz facile comme ça. On va voir avec qui il blitz. Ok. Il y a une supériorité numérique. On peut toujours tenter
Ça sera pas réellement un effet domino, mais on peut essayer de faire quelque chose. Au moins ça, sa cage est marquée. Il vient marquer là-haut. Ça faudrait peut-être pas faire ça. Il va relever ici. Ok, il blitz. Il aurait eu qu'un seul bloc ce tour-ci. Ça touche. Avec la chance que j'ai, ça va blesser. J'ai été médisant. Ok, reviennent, voilà. En arrière. Parfait. Ok, je vais venir marquer derrière. Je veux que derrière il a la pression. On tentera ce bloc en dernier. Hop, on fera le bloc avec le solitaire. Quoiqu'on le tentera peut-être même en fait en premier, vu que ça va peut-être être notre seul bloc à 2D. J'ai vu quelque chose qui m'intéressait là. Non, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse point du tout. Je ferais pas. Ah, je pourrais peut-être faire un blitz avec lui. Bon, on va bâcher, hein. On est là pour ça, il paraît. Là, il peut faire un passage facilement, mais il pourra pas aller jusqu'à la ligne de touchdown. Ok. Allez, c'est parti. On arrive à toucher. On le propulse. Allez. C'est de la sortie de terrain qu'il nous faut là. Pas que de la sonnette. C'est très bien. Ok. Faut que je tente à bloquer à 2D hein, d'abord. Là, je te relève. On respire fort. Ah bah bien sûr le double crâne. Le solitaire qui tique, je perds ma relance. Et je me prends le double crâne dans la tronche. Bon bah c'est pas de bol Paul. Là faut juste espérer qu'il gagne pas la confrontation physique. Le seul problème c'est qu'il a... Là il a beaucoup de bâches à 2D. Forcément quelques échecs, c'est que des solitaires là. Mais bon. Ok. S'il se déplace là, c'est à dire qu'il va pas chercher le touchdown. J'aurai un blitzer qui pourra facilement être disponible. Foutu double crâne quoi. Il va falloir que je garde ma dernière relance aussi pour ma phase d'attaque pour que j'aille replanter. Allez c'est parti. Il pourrait s'ouvrir un passage s'il veut et commencer à courir. Le problème c'est qu'il ne pourrait pas assurer sa défense. C'est pour ça qu'il est un peu réticent à le faire. On va voir. S'il déplace d'abord son porteur de balle, ok. Il veut libérer sa garde. Ça touche en plus, c'est très bien joué. Pour l'instant, les armures sont bonnes. Okay. Peu de chance que ça se reproduise indéfiniment. Il va venir marquer là, il va avoir du bloc à 2D là sur les deux. J'espère que ces blocs avec les solitaires vont échouer, hein. C'est tout ce que j'espère. Allez, c'est parti. Il y aura un double crâne là, ou un double échec. Il faudrait que son premier bloc soit un échec. Sur celui-là, il a... Ok. Il commence par les blocs à 2D relançables, il joue bien. On utilise l'esquive. Parfait. Est-ce qu'il va m'emmener sur le bord du terrain? A priori, il n'aura pas la possibilité de me surfer dehors. Mais il aura un bloc à 2D. Là, ça touche par contre. Mon receveur est au sol. Et il est blessé. Super. C'est mon esquiveur qui est KO. On n'avait pas besoin de ça.
Ok. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est du 7 d'armure contre du 7 d'armure, le premier qui prend l'avantage va pouvoir latter l'autre, concrètement. Il va avoir un bloc à 2D sur lui. Là, j'aurai un bloc à 2D. Il faudrait que j'arrive à rester, que celui-là arrive à rester sur cet emplacement. Ça touche. L'armure qui passe et re-un KO. C'est reparti avec la malédiction des KO. C'est agaçant. Il frappe avec un solitaire, mais ça touche. Notre deuxième esquive. Et une armure de plus. Ce tour-ci aura été rentable pour lui. Très rentable. Ah, parfait. Le bloc. Ça, ça me va plutôt bien. J'ai un espace pour sortir avec mon bloqueur et avec de la chance pour aller chercher lui. Faut que je tente l'esquive, que je me mette là éventuellement. S'il me repousse, faut qu'il me poursuive. Il ne frappe pas normalement. Il frappe. Ok. J'ai pas d'esquive qui traîne. Non, j'ai plus d'esquive qui traîne. Hop. On va se mettre ici. Comme ça, si jamais j'arrive à faire une transmission sur ce 3 quarts ou une passe sur ce 3 quarts, je pourrais m'envoler pour la victoire. Je vais venir me rapprocher du bas parce que pour l'instant, ça va jouer vers le bas plutôt. On va bien mettre mon receveur ici. On tente l'esquive. Pas de double 1, c'est très bien. On a un bloc à 2D là. On va pouvoir virer sa garde. On arrive à toucher en plus. On repousse. On repousse. Tiens ! Hey ! Après, c'est pour un rendu. Ça, c'est fait. Faudrait que je passe au-dessus. Ça va pas être possible. J'ai un bloc à 2D là, remarque. Hein. Et j'ai une relance. Là, je la cramerai par contre, la relance s'il faut. Dommage, c'est qu'une sonnette. On a réussi à ouvrir sa cage. Ouais, mais ça va être compliqué tout ça. Hein. Ça va être compliqué tout ça. Ça, lui, il m'embête. Il m'embête fortement. Boum, ici. On va refuser la confrontation physique. Je vais peut-être même faire un bloc à 2D ici. Ouais, mais j'ai pas de compétence. Lui, l'attraper sans compétence, ça va être compliqué. Hein. On va faire ça. Le 3 quarts va venir retenir sa garde. Voilà. On va se faire un petit passage ici. On met notre réception un poil en retrait. Juste histoire de venir l'embêter un petit peu. Il n'est pas à distance d'aller marquer son touchdown. Allez, pas de double 1 sur l'esquive. Parfait. Premier crâne. Et le deuxième crâne. Ça, c'est quand il l'a fait, il dit non, je te laisserai pas ça. Je te laisserai pas le faire. Ah, bon, je vais me servir un verre d'eau, je reviens. Alors, il a du bloc à 2D ici. Il me repousse. C'est très très bien. On refuse la confrontation physique. Ouais. On va pas lui offrir plus de blocs, ça sert à rien. Ça me suffira. Ça me suffira. Il peut venir apporter un support là s'il le souhaite pour avoir un bloc à 2D avec sa garde, mais sa garde va rester immobile. Là, il peut venir coller sa garde ici et chercher un bloc à 2D avec son porteur de balles. Ok, non, a priori non. Il va essayer de marquer le plus tard possible, je suppose. Parce que l'avantage, c'est que s'il marque le plus tard possible, moi je marquerai vite en début de deuxième mi-temps.
Et il pourra répliquer parce que les Bretoniens, ça marque très très vite. Pour l'instant, il a l'ascendant physique sur moi. Car j'ai deux sorties de terrain, il n'en a qu'une. Bon, il a une sonnette, donc là, ça équilibre pour ce tour-ci. Il va vraiment falloir que je me démerde pour trouver un bloc ADD sur lui. Il a juste à venir se mettre par ici. Ouais, je sais pas. Ok, il marque là. Ah, il va peut-être venir blitzer ici. Pour venir faire un... Ouais, avec sa garde ici, ça serait la bonne idée en fait. Et le blitz sur le solitaire. Ça me paraît pas mal. Et boum, vers le haut. Et il va pouvoir rester immobile ici. C'est pas mal, c'est bien joué. Ça touche en plus. Bien comblé sa fin de cage. Donc là il y a une belle grosse cage en plein centre. 6, 7, 8, 9. Bon, il y a toujours une case du TG. Ok, c'est cool. Ah ouais, là c'est cool. Ah quoique, ça va être chaud. Oh non 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 non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Faudrait que ça fasse rien, faudrait que ça fasse rien, s'il vous plaît. Et c'est la blessure. Et Mazel Tov, au moins il va être viré. Commotion, c'est un esquiveur. C'est qu'une commotion. Ah mais il a son foutu pot de vin, c'est vrai. Allez, fais un 1 s'il te plaît. Non, l'arbitre a accepté le pot de vin. Oh, ok, là ça va devenir dur. Je suis à moins 3. Quoi, je suis à moins 2. C'est un blitzer. Ok, je pourrais peut-être réussir. Je pourrais peut-être réussir. Il faut juste que je coupe les supports. Ok, au moins les blitzers, il faut qu'ils soient debout. Il est toujours en bonne position. Toi, tu vas continuer à te faire frapper. Et ça va occuper l'arrière de sa cage. On va pas avancer trop trop vite. Toi, tu vas venir ici. Ok. On va refuser la confrontation physique, hein ? Ça me paraît une bonne idée. Si je refusais la confrontation physique, il faut que je fasse ça. On va le frapper lui à 2D. On met une petite défense en place. On arrive à toucher. Mazel Tov. Nice, la petite blessure. Là, ça fait plaisir. Et en plus, on a un passage de niveau. Un prêté pour un rendu. Pour l'instant, tant qu'on reste là-dessus, ça me va. Pourquoi j'ai... Hey, j'ai lui qui me gêne. Ouais, j'y avais pas pensé à ça. Bon, bah, bloqueur sur non-bloqueur, hein. On espère... Voilà. C'est pas même le passage d'armure, mais c'est pas le cas. J'ai pas utilisé mon blitz. Essayer de l'attraper. On arrive à le toucher. Il est propulsé par là. Tiens. On tente l'esquive. Je vais sortir de la zone de tac pour éviter qu'il frappe trop trop. Au moins ces deux-là sont contrôlés. Là il y en a un des deux qui va rester au sol. Qui va rester ici. Il a toujours l'avantage numérique. Ok, il apporte la garde, il va débloquer 2D. Où il veut. D'abord un ici. Après, il pourra avoir un blitz s'il le souhaite. Autrement, il met la garde dans ces deux-là, il vient blitzer l'un des deux. Et il se rapprochera petit à petit. J'ai mes deux esquiveurs qui sont out. Ah, il a bien superposé les zones de tacle. Ça, c'est bon. Heureusement. Il me repousse juste.
On va venir par là. Comme ça, je vais pouvoir sortir plus facilement. Ok. Il a un bloc, il peut venir apporter un support supplémentaire, venir glisser avec son bloqueur s'il le souhaite. Par contre, c'est quand même prendre des risques. Par contre, moi j'ai plus de relance, ça c'est pas cool. Hein. Je les mange, mais comme des petits pains. Est-ce que tu vas me piétiner? Là, il va être obligé de changer sa conformation. Parce que j'ai une possibilité ici. Mais par contre, ces deux gardes sont bien placés là. Ça m'embête. Je vais mettre un support là. Je passe par au-dessus. Je remonte, lèverai celui-là s'il ne le piétine pas. Boum. Ouais. Tu vas remonter encore un peu peut-être. On va voir comment est-ce qu'il joue ça là, sa défense. Là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ces joueurs qui sont fixés à un endroit. Moi, j'en ai quelques-uns qui peuvent être mobiles là. On va se remettre en haut peut-être ici. Ok, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Il va venir blitzer. Là c'est un bloc 1D hein, sur mon blitzer. T'enflamme pas. Il peut venir ici. Ok, non, il fait une défense aérée. Je pense qu'il va rester au centre là. Ça par contre c'est pas smart. Ok, tant que le blitz 1D. Oh, qu'il fasse pas de pause, s'il vous plaît. Oh l'enfoiré. Ah, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il ferait autre chose, j'ai envie de dire. Hein? Pourquoi il ferait autre chose? Eh bah bien sûr, il me passe l'armure en plus. Chanceux comme je suis. Tenter ça. J'ai plus de relance, ça m'embête, ça me contrarie fortement. Alors si j'en mets, j'ai un 3/4, ouais j'ai mon passage de niveau, ça m'embête un peu d'utiliser là, je bloque les deux supports. Je peux aller chercher le bloc 1D ici, ça changera rien du tout à mon schmilblick. Ouais, si, il va falloir que je fasse ça, allez. Toi tu vas là. Allez c'est parti, toi tu vas te prendre une mandale au prochain coup. J'ai un bloc 1D ici. J'ai un bloc 1D ici. Allez, c'est parti. On se le tente. Et même on y arrive. On va poursuivre. Tiens, prends-toi ça. C'est bien fait. Ça fait plaisir. Ouais, c'est un peu tendu de faire ça. J'ai un bloc à 2D ici. On va pas prendre de risque. J'arrive à le sécher. Tiens, prends-toi ça. Voilà, ça fait plaisir. Là, les deux GFI, je les tente. Pour améliorer le jet de dés, là, ça vaut le coup. Ah merde. Merde alors. Et en plus, c'est un KO. Bof, que demande le peuple, hein? Je vais pas me plaindre. J'aurais pu mourir. La frustration. Il a juste à avancer un petit peu. Après, l'avantage est que j'ai quand même mon blitzer qui est debout. Il peut lui mettre quelques baffes, mais il est quand même debout. Et j'ai vu qu'il va pouvoir revenir en jeu. Allez, commence avec des blocs un peu foireux. Du genre ça, parfait. Au moins t'es tranquille.
Okay, bon. Un KO de plus. Alors après, je me plains beaucoup sur mes KO, ça fait beaucoup de sorties de terrain, mais c'est pas des blessures, hein, donc au final, c'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai que quand on voit qu'on a quand même 5 joueurs qui se sont fait sortir là, ça fait un peu beaucoup. C'est vrai qu'on lui a mis moins de bâches, mais quand même, quoi, c'est, je trouve ça frustrant. Même très frustrant. Heureusement, il loupe. C'est pas un solitaire, dommage. Il me repousse juste. On va utiliser la glissade contrôlée. On va venir se mettre au chaud ici. Histoire d'immobiliser un maximum de ces personnes. Donc là, il a encore un bloc à 2D. Et ça va être un solitaire. Donc il faut espérer qu'il nous refasse un petit échec. Un double 2. 1 et 1, 2. Il va mettre un... Là, il faudrait qu'il fasse un bloc à 3D avec son solitaire s'il le souhaite. Ou alors avec lui. Ok, il m'empêche les sorties de glissade contrôlées. Ça me va. Si il me loupe. Et il me loupe. Bah, il va peut-être me mettre au sol avec une petite lutte. Ce serait peut-être le plus smart. Et c'est le plus smart. Et moi, je suis mobilisé. Et par contre, ouais, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il va mettre deux mecs en défense là-bas, mais j'ai toujours mon solitaire qui peut venir le marquer. Après, il y a une esquive, hein, c'est compliqué. 6. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, au moins il va marquer à son tour 8. J'aurai un tour pour essayer de faire un peu de dégâts et j'aurai deux phases de réveil pour mes KO. Si tous les KO reviennent, au final on aura une blessure partout. C'est jouable. Il a absorbé son Indus. Pour la deuxième mi-temps, j'aurai peut-être la chance, un peu plus de chance. Et un autre là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Putain, j'ai déjà une mise de paquet là, rien que là. Rien que là, j'ai une mise de paquet. Allez, on essaye. Si on fait un 1 là, de toute façon, toutes les actions vont demander des jets de dés. Faut couper les supports. Ça passe. On a fait un 2. C'est chaud. Non. Je vais être obligé de tenter dans ce sens là. 3 jets de dés. Normalement ça doit échouer. Voilà. Au moins ça a échoué. Un petit blitz à 2D avec son buteur. Une course et il marque. Voilà. Et ça sera fini. Capri, c'est fini. J'ai juste espéré qu'il me le tue pas. Pas de blessure, de toute façon quoi qu'il arrive il va le marquer. Mais on voit qu'il a pas pris beaucoup de risques, hein. Je pense que j'ai dû prendre un peu trop de risques sur mes placements parce que il a pas utilisé de relance. Je pense qu'il était un peu chanceux quand même sur ses blocs. Parce que pas pris beaucoup de risques au final, il a peu de compétences, il en a quand même sorti quelques-uns. Hein. Et en plus il y a eu que des sonnettes en plus. Est-ce qu'il va se tenter le bloc à 3D? Là, ça me ferait marrer qu'il me fasse un triple crâne. Même 6 crânes, j'ai déjà vu, on l'a fait il y a quelques matchs. 6 crânes de suite. Non, c'est pas censé arriver, mais on peut toujours espérer. Allez. Non, ça touche, c'est bon. Et j'ai pas d'esquive. Et un KO de plus. Allez, Mazel Tov, c'est moi qui offre. Ça pose pas de soucis. Hop, on passe. Et c'est parti pour la petite course, le touchdown. 1-0. J'espère qu'on aura de la chance sur les retours de KO. Ça serait valuable. Bon. Mieux que rien, hein, on va pas se plaindre. Son KO n'est pas rentré. Ok, donc on est à moins 2.
On a notre dextérité qui est au sol. On a une esquive qui est revenue. Donc on va mettre l'esquive de façon agressive comme ça si jamais il y a un retour de chrono. On pourra la gérer. Et là s'il veut jouer facilement, il a juste à mettre ses deux gardes. Et on n'en parle plus. Je ne pourrai pas aller chercher des blocs. Ou du moins j'aurai du mal, ça me demandera toutes mes ressources et je pourrai rien faire d'autre. Alors est-ce que j'ai quelqu'un qui a 5 points d'XP? Non, pas toi. Oui, mon blitzer. Ouais, mais je veux l'utiliser, le blitzer. On va utiliser au ramassage. Ramassage, pouf pouf. Là, il commence à réfléchir. Il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il peut peut-être jouer ce match. Que cette phase d'agression soit à mon désavantage. Ça, c'est bien joué. En gros, il faut que je rince un côté, basiquement. Ah, s'il a le... Non, s'il a le beat, il aurait pas dû le jouer comme ça. Quoi, non. S'il gagne un tour. Il n'aura jamais la mobilité pour. On va jouer à gauche, c'est pas grave. Ça me gêne pas. On va tenter le passage au niveau là. Ici, ce sera le bloc. On a dit que toi tu ramassais. Toi tu te places de façon agressive. Tu vas venir te mettre là. Tu vas venir te mettre là. Il est où? Ah oui, il est là, je le voyais pas sur mon logo. Hop. En fait, plutôt hop. Et hop. On se parle bloc. Ça me paraît bien. On va y aller le placement. Il est autour de chrono. Non, mais il me relance. Ça facilitera les petits échanges qu'on a à se faire. Allez, bloc à un dé, on a une relance. C'est bon, on touche, on a même pas besoin de l'utiliser. Hop, on n'arrive pas à passer l'armure, c'est dommage. Mais c'est point grave. On arrive à toucher. Je vais rester où je suis pour suivre. Là, là on est bien. On repousse. Je reste où je suis. Piétiner la garde, ça peut être une idée. On arrive à toucher. On reste où on est. Mes réceptions sont là. On tente l'esquive, on s'en fout. On va tenter le ramassage et la petite passounette. On fera le piétinement avec le solitaire. Si on arrive à sortir une blessure là, ça permet d'égaliser un peu les. Ça permet d'égaliser les sorties de terrain. Bon, on a une relance, ça sert à ça. Le double 1, heureusement qu'on n'est pas sorti sur ce fameux double 1, j'ai failli faire l'agression avant. Ah. Bon, on aurait eu quelques échecs. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a de l'effectif. Ok. Oh, bien. Allez, reste dehors s'il te plaît, s'il te plaît. Parfait. Là, ça c'est bon. Effectif équivalent. L'avantage, c'est que sur l'attaque, il va avoir du mal à m'arrêter quand même. On lui laissera un blitz, c'est tout. S'il faut refuser la confrontation, on la refusera, c'est pas gênant. S'il vire ses deux gardes, on shoot. Et même limite, la question que je me pose, c'est s'il laisse ses deux gardes, on shoot quand même. Il peut mettre. Ouais, il va inverser les deux là normalement, et il devrait mettre son blitzer au centre. Moi, c'est ce que je ferai à sa place. Blitzer au centre, voilà. Et la garde stabilité là. Sinon, on gâche tout à droite. Ok, il fait une défense haute, c'est bien. Son blitzer est au chaud. La stabilité devant. Ok, nice. Peut-être échanger ces deux là aussi. Parce que là, on va shooter tout ce qui passe. Hein.
C'est notre passeur qui est resté dehors, bien sûr. Dommage. Allez. Ouf, il écarte une cadre. Attention, grosse prise de risque. J'ai un passage au centre. Il va peut-être justement me laisser ce face, le passage au centre. A priori, il veut. C'est très bien. On va s'engager plutôt sur la droite, loin de son coup vicieux. Hop. Passage avec le blitzeux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Boum, boum, éventuellement boum. Hop, comme ça, si ça part par ici, je vais le chercher parce que c'est là où ça serait plus dangereux pour moi. Là, j'ai une défense. On va y aller le placement. J'espère qu'il aura pas de blitz, c'est pas un lancer de balle trop avantageux pour lui. Et il a son blitz avec une balle posée de façon avantageuse. C'est agaçant! Légèrement frustrant, même, je dirais. Ouais, il peut venir mettre déjà son garde dessous. Et venir assurer un peu. Venir poser un blitz. Voilà, c'est ça. Venir poser un blitz sur le coin ici en mettant par exemple ce Paysous ici. Il vient blitzer avec son chevalier, il ressort et il vient se mettre à côté. Boum, esquive. Essayer de faire du mieux qu'on peut. Là, le problème c'est qu'il va casser ma ligne d'avant, donc je vais être obligé de refuser la confrontation. Et c'était le seul moment où je pouvais espérer prendre un avantage. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais il me reste qu'une mi-temps hein, pour marquer deux tâches d'armes. Ok, il vient complètement annihiler ce côté de terrain. Juste avec la garde. C'est bien joué. Mon courroux sera terrible, j'annonce. Je prendrai pas les blocs. Ouais, si je prendrai les blocs peut-être. Non, je prendrai pas les blocs. Deux chances d'échec. Les esquives, il n'y a qu'une seule chance d'échec. Le blitz ici, sur le 3/4. Il peut même poursuivre, tenter esquive et se rapprocher du porteur de balle. Il me repousse juste, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça mériterait une relance. En bas à droite. Comme ça il poursuit, il fait l'esquive sur le côté. Petit GFI. C'est ce que je ferai à sa place. Après. Ok. Ok, soit. Bon, bah on va le taquiner un petit peu celui-là. Important. On séparer bloc à 2D avec compétence. Il mériterait une relance. On arrive à le toucher. Faudrait qu'il se fasse projeter là. S'il utilise sa stabilité, ça me va. Espérons que la balle tombe bien. Du genre pas là, typiquement. Non, pas ici. Pas ici du tout, même, je dirais. Allez, c'est parti. Bloc à 2D. Oh, j'arrive à le toucher, ça c'est bon. Je poursuis. Boum, la blessure. Ça, ça lui fait les pieds. Il est obligé d'utiliser la peau. Il utilise pas la peau. Ok, ça me va. C'est tout bénef. Du bloc à 1D. On tente une petite esquive des familles. Avec lui plutôt. On a le bloc à 2D. On relance ça. On va venir le déposer ici. Mange-toi donc ça. Hop. L'esquive a tiqué. Heureusement que j'ai utilisé. Je me suis dit, allez, t'as plus de relance. On va plutôt prendre un esquiveur. On se met le plus loin possible, lui il aura pas de bloc à 2D, il aura que des blocs à 2D contre. Ça peut fonctionner, mais il y a du monde autour. Je bloque les supports, j'ai un bloc à 2D ici. 1D.
Pour tenter cette esquive là, j'aurai un bloc à 2D, ça me permettrait de sortir un peu de la zone. Shit. Ouais, il peut apporter un support. Il peut venir couper les supports. Couper un support. Venir en rajouter un ici. Sortir un blitz à 2D contre parce que j'aurai toujours celui-là. Mais il y a des mises de paquet. Et on espère qu'il fasse quelques jets de dés et qu'il en échoue quelques-uns. Aïe. Ouille. Aïe, ouille. Faut pas que j'ai plus de blessures, comme ça si mon KO revient, il sera en infériorité numérique et j'aurai peut-être une chance d'aller récupérer. Faut que j'aille marquer vite là en gros. Basically. J'ai un air d'acier ici. Je vais venir mettre en place la petite défense. C'est pas grave, on va shooter ce qu'il y a là, s'il change pas trop de conformation. Il change de conformation, ok. Un support là. En diago, je le vire. Je blitz. Je me mets là, je blitz, ah je me mettrai au-dessus. On va voir comment il équilibre tout ça. 4, 5, 6. Bien. Il vient rajouter deux supports et avec celui-là, sans faire un deuxième, il aura un bloc à 2D. Oh nice, merci mon dieu quoi. Il relance bien sûr. Allez, une relance, il saute. Tente l'esquive. Oh oui, merci. J'ai un bloc à 2D ici. On va venir bloquer, blitzer là plutôt. J'ai mon blitzer dispo. On va refuser la confrontation physique, donc je relèverai pas cela. J'arrive à le toucher. Je vais rester où je suis. Je suis bien. Voilà. Hop. Ok, j'espère qu'on va réussir à sortir une blessure. Ça nous fera un passage de niveau. On va être ici. Allez. Dommage, sonnette. Se mettre par ici. On va commencer à courir. Le but c'est de marquer vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le repousse. Ah, il aura un bloc à 2D là. Je suis débile. J'aurais pas dû le repousser. J'en étais sûr, je le savais en cliquant. Je le savais en cliquant. Oh, je suis débile. Et le double 1, encore. On en aura fait quelques-uns là sur ce match-ci, sur le match précédent. Alors, il peut venir marquer, il peut venir me blitzer à 2D. Sans trop de difficulté, la balle tombera. Après, j'ai quand même du monde pour la ramasser. On est tôt dans la deuxième mi-temps. Ça peut le faire, ça peut le faire. Et s'il veut venir m'embêter, il ramène celui-là ici, bloc à 2D avec son solitaire en plus. Hop, il va venir marquer là. J'espère qu'il va commencer à faire ses actions et qu'il va avoir un échec quelque part. Et là, ce qu'il peut, s'il a de la chance, il me blitz. Je tombe ici, la balle tombe sur le côté, donc dehors. Elle finit par là, il relève ces deux-là et il commence à mener une attaque dans mon camp. 4-1 de suite pour l'armure et pour l'esquive. Waouh. J'attends vivement le match où je vais faire 4-6 de suite. Allez, il va me rapatrier vers le bas. C'est pas gênant ça. Ça me gêne pas. Heureusement pour moi, ça touche pas, il n'y a pas de tacle. Ça mérite la relance, il a raison. Le petit pot, il faudrait qu'il m'envoie sur le bord de table. Ce que je ferai à sa place, et espérer un rebond à son avantage est vraiment ici. Et comme ça, il poursuit. Pourquoi il fait ça? Ok, tu veux.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pff, là, il pourrait m'emmerder, sérieusement. Il va venir marquer mes joueurs. Avec lui, pour apporter un support supplémentaire, Bâcher là. Lui, il va me marquer celui-là, je pense. Et lui va pouvoir venir m'emmerder autour de la balle. Ça me paraît legit. Ça va être fair tout ça, ça va être fair. Ouais, il marque tout le monde. Bâche à 2D. Il devrait d'abord déplacer son coup vicieux. C'est ce qu'il va faire. Il joue bien, au moins il gère bien son truc. C'est agréable de tomber contre des adversaires qui savent bien jouer. Mais ça fait mal. Ouais, si j'arrive à me sortir une victoire, je serais d'autant plus content, ça veut dire ça. C'est bon. Il devrait me l'envoyer vers le bas et me décaler celui-là, ici. Histoire que tout le monde soit bien marqué. Non, il décale sa garde. Ok, soit. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux venir me rapprocher un peu de la zone utile. Faut que je vienne glisser par là, moi. Et je viens de couper les supports. C'est pas bon, ça. C'est pas bon non plus. Ouais, bloquer un B, bloquer deux ici. Il faut que j'en relève un. Qui c'est que je vais sacrifier? Ça me saoule! Ah, t'es sérieux? Oh. Dernière relance qui saute. Encore un 1. C'est un peu agaçant. Et quand je dis un peu, hein, c'est un doux euphémisme. Parfait. Avec deux GFI, j'ai rien de mieux que ça à faire. Parfait. On va se prendre ce bloc à 2D. On va tenter sur la balle là-bas. J'arrive à toucher. Je reste où je suis. Au moins je serai disponible. J'ai deux escapes de possible. Faut que je fasse ça en fait et que je commence à courir. Je vais essayer le blitzer là juste pour les emmerder. J'espère que je vais pas tomber là. Ok, lui il est marqué. Allez, on se le tente. C'est parti. S'il y a balle tout dehors, c'est tant mieux. Non, elle tombe pas dehors. Et là par contre, lui il peut me surfer dehors. Je pensais que j'allais tomber sur les esquives. L'esquive a quand même tiqué, hein. Je pensais que j'allais être plus malchanceux que ça. Après, l'avantage c'est que pour jouer la balle, il a plus que ces deux joueurs là. Après, que les trois quarts, bon, il a quelques relances, mais ça va quand même être compliqué. Ça augmente les chances d'échec et s'il fait des jets de dérisqués, ça me laisse peut-être une. Ça va peut-être me laisser un passage. Allez, c'est parti. Son support bloque à 2D. Il me vire la seule zone d'attaque qu'il y a là. Faut qu'il fasse une double mise au sol. Non, ça touche. Allez, j'espère qu'il va pas avoir de passage d'armure. J'ai toujours mon apo. Ouais, j'ai toujours mon apo. Ok, c'est bon. Il reviendra. On va voir si il peut essayer de faire ça, hein, juste essayer de contrôler la balle. Moi, dans ce cas, j'enverrai quelqu'un dessus. J'espère que la balle tombera à un endroit intéressant pour moi.
J'ai mon blitzer qui est disponible. Ça touche. On va utiliser la glissade contrôlée sur le côté pour pouvoir sortir facilement des zones de tacle. Et je pourrais pas, tout simplement. Le petit KO. S'il vous plaît. Il va venir se caler ici. Moi, je sais ce que je ferai à sa place pour venir emmerder ces deux-là avec la garde. Et venir blitzer avec lui. Boum. Sur le but. Voilà. Je sais pas sur lequel des deux, mais venir blitzer. Et tenter le ramassage en dernier. Sur mon blitzer. Ok. Tac. J'espère qu'il va pas me le coucher. S'il me blitz sur lui et qu'il me le couche pas, je vais le mettre ici pour emmerder celui-là. Il me repousse juste. Ou est-ce que je le laisse. Oh, il relance. Ouf, c'est bon, il repousse juste. Là, il va avoir un bloc à 2D aussi. Bon, il ramassera pas la balle. Oh, il touche. L'armure est tenue, Mazel Tov. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Si j'arrive à ramasser la balle, à lui transmettre à lui, c'est fini. It's over and over. Remarque, j'ai du. Non, j'ai pas de nerf d'acier. Bien. On va rester. On va se mettre là pour un bloc à 2D. Avant de commencer les actions un peu risquées. On va commencer à shooter par là. On va laisser la garde sous contrôle. Je reste où je suis. Ok, parfait. Passez les armures s'il vous plaît. Bloc à 1D sans relance. Je me demande pourquoi je me pose la question encore, hein. Hein? Sa garde ici. Ah, il met lui là. Avec sa garde, il vient blitzer mon receveur et il aura un bloc à 2D ici. Après, il vient ici, bloc à 2D, il pourra ramasser avec le coup vicieux. Ouais. Ah, ou il veut tenter le ramassage plutôt avec le bloqueur, chose que je comprendrais. Il me repousse. Il se libère le passage. Il faut qu'il poursuive. Voilà, il a libéré l'espace. Là maintenant, il a un chemin pour aller ramasser avec lui, avec son bloqueur. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il se foire. On croise les doigts, tous les doigts, allez, allez, loupe, échoue. Qu'est-ce que tu as tenté? Faudrait qu'il fasse un échec et que l'échec soit à mon avantage. Qu'il tente le ramassage, qu'il échoue malgré la relance, qu'elle tombe dehors et qu'elle tombe par ici par exemple. Échec. La petite relance qui saute, la dernière. Non, c'est bon, c'est passé. Bon, maintenant il va pouvoir aller planter son deuxième touchdown. Peut-être compliqué de l'arrêter. Hein. Je vais pouvoir me libérer une personne facilement. Quoi, facilement? C'est quand même triste de viser l'égalité avec l'Union Elfique. Là, il devrait venir apporter voilà, un support pour couper ici les avantages que je peux éventuellement me sortir. Et je vais être obligé de tenter des esquives pour faire des trucs. Du genre mettre ici, bloc à 2D, libérer quelqu'un. Et même en libérant quelqu'un, j'arriverai jamais à aller le chercher. Il
Ok, il est au chaud, mais la cage est marquée. Waouh, ça va être compliqué là. J'ai toujours un bloc à un dé disponible. Tente l'esquive, bloc à 2D ici. Bloc à 2D là. Il y a toujours les supports. Hein. Il y a toujours les supports. 2 pour 2, c'est chaud, c'est chaud. Là on est bon. Bloc à 1D. Il a rien de mieux à proposer, hein, le petit crâne. On le repousse. Il est stable, l'enfoiré. L'enfoiré. Le temps d'accès à max. Bloc à 2D. C'est le moins risqué pour l'instant. Bien. Ouais, fallait en louper une, hein. J'ai fait beaucoup d'esquives. Ça l'a legit. Beaucoup de G1D. Le petit 1 qui finit par sortir. Normal. Bon, bah, je crois que ça va être une défaite de plus pour nos crouches qui vont bien porter leur nom. Il nous reste encore quelques tours. On a quelques personnes en position d'aller marquer. Il n'a plus de relance, faut compter là-dessus. Il est enfin dans ma situation. Tour 13. C'est ça, on bloque d'abord dans ce sens. Et c'est un échec. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce qu'il nous fallait. Tiens. Ça. Je voulais pas le dire, mais je vais le dire. C'est bien fait. Là, je me gêne un peu. Là, ça me fait chier. Avec le receveur, je pourrais les marquer. Avec lui aussi, avec un seul GFI. Allez, c'est parti. Bloc à 2D. J'ai toujours utilisé lutte, mais tu vas faire tomber la balle. C'est l'avantage. Oh shit! Oh, c'est pas possible d'être unlucky à ce point-là. Ah, encore un! Et le problème, c'est qu'avec les armures, c'est qu'on va regarder les stats à la fin si je les rate. Oui, c'est équilibré! J'ai fait les 1 sur les armures, les 6 et les 5 sur les esquives, voyons! Aïe aïe aïe! On peut venir. Bloc à 2D, ça touche, super. Au moins il ne me virera pas la personne qui est sur la balle. Juste qu'il passe pas l'armure s'il vous plaît. Si c'est possible. Non, il me le blesse. Oui, ça me paraît équitable en fait. Juste une commotion. Je prends pas de risque. Faut que je garde mes blitzers en vie. Ouais, mais en fait, il me reste plus que mon blitzer de coup là, si j'ai un autre receveur. Mais bon. On est à combien de sorties là? 4, 8, 3. J'ai l'impression qu'il est vachement plus nombreux que moi. Bloc à 2D là. Je crois qu'on va commencer à faire les one again guns speed to fly. Ramassage, course, fuck off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tente les GFI, on essaie d'aller marquer. Hein. Rien à secouer, de toute façon, on a rien d'autre à faire. Ok, ouais, là ça va devenir compliqué par contre. Là, le ramassage pour le sortir, va falloir être cossu. Putain, il va me faire perdre juste en faisant du standing.
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Puf, puf. Faut espérer un jet de dé en rebond favorable. Il me repousse juste. Ok, il me repousse. Là. Et il marque. Je mets un support ici, je fais le blitz sur la garde à 1 dé, je le repousse là-dessus. Et j'espère que la balle rebondisse à un endroit plus convenable. Bon. Toujours possible, hein. Toujours possible. Okay. C'est vrai qu'il a toujours son, son appel. Ok, la mienne n'est pas passée. C'est déjà ça. Je suis obligé de faire au moins un jet de dé. Tant que ce soit un. Ok, j'ai sorti le 6 maintenant. J'aurais pas fallu le sortir sur celui-là. On repousse, ça suffira. Non, on le repousse pas. Quel con. Oh, le gland. Putain. Yes. On repousse sur la balle. Ok, j'ai rien de mieux à faire. Hop là. Bon, j'espère qu'il va foirer son, son ramassage. 1, 2, 3 de disponible. Peut-être le receveur. Putain. On casse les roupettes pour parler poliment. Je vais avoir un tour pour essayer de marquer. Il a juste à garder cet état là. Il me repousse en bas, il me poursuit. Il aura un deuxième bloc. C'est ça. Là c'est bien qu'il fasse un double crâne maintenant. Justin, t'as lui fait un double hein, de la partie, ça c'est cool. Non je les ai tous pris. Il va pouvoir me marquer le deuxième. Sa stabilité là m'a vraiment cassé les burnes, j'ai tout le temps oublié, c'est pas cool. Et ça touche, c'est mon passage de niveau, je claquerai la poutiquaire dessus s'il le faut, de toute façon il sera pas en mesure d'aller marquer. Il semblerait qu'il faille. Une commotion. Et... Remarque, j'aurais peut-être dû la garder pour le futur blitz. Je sais pas s'il va blitzer. Moi, à sa place, je prendrais pas le risque. Il va me marquer là. Il va venir blitzer quand même. Enfoiré. Faut que je reste debout à tout prix. Parfait. Ah non, la lutte. Ah non, 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 la lutte. C'est pas cool, Raoul. Non, c'est pas cool du tout. Il est en état d'aller marquer, lui. Oh merde! C'est saoulant. Va le ramasser maintenant. Va le ramasser maintenant. J'aurais dû faire une esquive de plus. Bon, l'échec est un. Le ramassage est un échec. Oh punaise, ça fait chier quand même d'avoir... Je pense pas beaucoup de chance.
Vous me direz ça, hein, peut-être que j'hallucine et vu que j'ai la tête dans le guidon, j'ai l'impression d'être maudit, mais j'ai l'impression que le match a été vraiment punitif là. Plus que punitif. Je vais me prendre un bon gros bloc à 3D. Heureusement d'ailleurs. Quoi heureusement, il a utilisé la bonne compétence. Il va pouvoir venir me blitzer. Et même tenter une petite passe, il va essayer de passer prendre un petit point d'XP supplémentaire. Non, par contre l'agression c'est pas cool. C'est l'aime. Je désapprouve. Je désapprouve fortement. C'est bon, c'est une sonnette. La passe. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Concrètement. Bon, de toute façon, là, j'avais foiré mon dernier GD. Il aurait fallu que je fasse une esquive supplémentaire. Pour pouvoir, en fait, économiser un GFI. Pour ramasser, pouvoir sortir et faire une passe normale. Hop là. Et ça sera bon. On n'a aucune blessure débilitante. On va avoir les effectifs au complet pour le prochain match. Une défaite de plus, donc on est en 2-2-2. C'est pas encore exécrable. C'est mieux que Nonator. On va pas trop se plaindre. Mais j'ai du mal à prendre le pli là. Ok, 60. Ça me va. Et c'est lui qui a le joueur du match. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je crois pas que j'ai de passage de niveau. Si, j'ai un passage de niveau. Sur qui? Ah oui, c'est vrai, sur notre 3 quarts. Sur une petite blessure. Qu'est-ce qu'il me faut? Du bloc pour un peu plus de punch. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Un bloc de plus. Il me faudrait à mon avis 2 blocs. Pour en avoir 4. Juste 4 blocs. Ça me paraît mettrait d'être beaucoup plus serein sur les phases de bash. Et pouvoir tenter avoir une personne de plus avec qui tenter les blocs à 1D quand je suis en fin de partie. Donc j'espère que ce match vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures dans la Champion Ladder. Allez, à bientôt. Bye bye.